À toi de jouer! Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, je vais tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Kolum, sorti en 1991 sur NEC PC Engine, édité par Telenet. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est que ce jeu, mais tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une sorte de Tetris, mais un petit peu. Enfin, c'est un sous-Tetris, mais un petit peu amélioré. Vous savez, si ça va pourquoi. Voilà, c'est l'écran de contrôle. Vous avez l'arcade, la mode practice. Et ainsi que d'autres trucs, mais bon, ça, on peut pas les débloquer, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, on va commencer. Ouais, on s'en fout. Voilà. Donc vous voyez, vous avez des sortes de blocs de pierres. Et le but, c'est bien évidemment de les rassembler, tout en les contrôlant. Pas de manière horizontale ni verticale, mais en les faisant tourner. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, il y avait trois pierres précieuses de couleur rouge. Je les ai rassemblés. Alors attention, parce que là. Alors les décors sont assez sympas, c'est assez beau, c'est limite assez joli. Hein. Ouais. Alors ce jeu est bien, mais par contre ça vaut pas mieux Tetris. Hein. Oui. Tout à fait. Voilà. Ah, il est sympa ce petit jeu, mine de rien. Alors. Ah, attendez. Voilà. Bon, il y avait celle de gauche, mais je préfère encore attendre. Alors, attends. On va dire par là. Oui, bien joué. Eh, franchement, il est pas mal. Hein. Ouais. Franchement, il est pas mal. Alors, attendez. Ah, ça suffit pas mal en contre-temps, mais c'est pas grave. Attends. Ah, si, ça suffit, voilà. Ouf. Oui, évitez de pas faire de mauvais calculs, parce que sinon ça pourrait risquer de vous coûter cher niveau progression. Ça fait beaucoup quand même. Voilà. Là, ça commence à accélérer. Hein. Ah, ce jeu est bien, par contre il peut se montrer très difficile, surtout quand il accélère. Ah merde. Ah zut. Ah là. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'allais perdre. Bon, ça va, je suis au rang 8. C'est bien. Franchement, c'est bien. Donc on va essayer de faire un autre test, si vous voulez bien. Voilà. Bon, on va essayer de faire de mieux gérer et éviter de pas faire n'importe quoi. Alors attendez, là ça on va mettre ça à gauche. Ah, attendez. Voilà, ça c'est bon ça. Voilà, ça c'est pas mal ce que je viens de faire là. Alors attendez. Voilà, ça c'est pas mal ce que je viens de faire, ça aussi. Attendez. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, j'avoue que franchement le jeu est pas mal. C'est quasiment un sous-Tetris un petit peu moins bien, mais bon franchement il est assez agréable à jouer. Ouais. J'aime beaucoup la petite musique en arrière-plan, franchement, je la trouve assez jolie. Mais on peut voir que les mecs qui ont programmé ce jeu sont inspirés de Tetris. Hein. Voilà, oui, ok. Oui, bien joué. Je gère. Bon, c'était pas le bon choix, mais bon, c'est pas grave. Voilà. En fait, il faut rassembler chaque couleur, chaque pierre. Ainsi que... chaque bloc.
Voilà! Oh, c'est pas mal ce que je viens de faire! Bon, ça aussi c'était pas mal, encore faut-il ne pas trop faire n'importe quoi. Oui, bien joué, bien joué! Ouh! Ramasse. Mais attends, si on évite de ne pas faire n'importe quoi. Oui, bien joué. Encore une ligne de complète. Bon, ça, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah, putain. Ok, j'ai encore merdé. Je m'en excuse. Les gens vont essayer de faire un autre test. Cette fois, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Alors, ce jeu, j'ai oublié de préciser qu'il est, il est sorti sur, sur Mega Drive. Si mes sources sont bonnes. Attends, ça, on va mettre ça plutôt par là. Ça, on va mettre par là. Alors, ça, on va mettre ça ici. Voilà. Voilà, parfait. Ouais, ça c'est pas mal. Oui, il faut bien calculer son coup, hein. Bien calculer son coup et pas faire n'importe quoi. On va mettre ça ici, pas d'autre choix. Heureusement que c'est indiqué parce que oui, parce qu'il y a certains blocs qui permettent d'indiquer. Voilà. Comme je viens de vous dire, il faut rassembler chaque bloc, chaque pierre, chaque couleur. Bon, attendez que je... Là, il n'y a rien. Là, il y a quelque chose. Que je... Oui, là, là, il commence à accélérer quand ça... quand vous entendez le petit truc... Le petit titi, ça signifie qu'il accélère. Ah! Oui, bien joué! Ça va permettre d'abréger ma peine. Voilà. Voilà. Parfait. Calme, détendu. Voilà, c'est parfait. Voilà. Ouh, j'ai failli rater mon coup. Oula, oula. Attention à ne pas... faire n'importe quoi, pas faire de bêtises. Là par contre, je viens de faire une grosse bêtise. Là par contre. Attendez. Ah zut, je me suis trompé, bon, c'est pas grave. Voilà, je suis presque atteint. Ouh là là. Voilà, ouais. Oui, bien joué. Voilà. Ah, ok, ah, c'est d'accord. Bon. Oh, rang 6. C'est bien.
Bon, franchement, j'avoue, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais franchement, je suis assez fier de moi parce que j'ai un petit peu progressé. Franchement, je. Alors, franchement, ce jeu est bien, mais franchement, ça vaut pas mieux Tetris. Voilà, c'était donc la fin de ce test de jeu rétro. C'était Column sur NekPC Engine, édité par Telenet, sorti en 91. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! À très bientôt!